tendant bien l'oreille, vous pourrez peut-être entendre l'écho des marteaux de forge frappant en cadence le métal. C'est ce bruit qui donna son nom au cours d'eau, le nom de bruant qui devint le bruyant. Dans le même bâtiment étaient associés des fourneaux de réduction, des marteaux et des soufflets hydrauliques. Cette entreprise médiévale cessa de fonctionner vers 1399. Quelques siècles plus tard, le bois prenait le relais du métal et à la fin du 19e siècle, la famille Regard créa une scierie à la joue verte, en dessous de la route en aval, sur le ruisseau de Biébruyant. La scie, placée dans un hangar en bois construit à l'arrière du bâtiment, était actionnée grâce à une grande roue en fer qui utilisait la force du cours d'eau. La scierie, par la suite électrifiée, fonctionna jusqu'en 1973.